Salut, salut. Bonjour Christelle. Bonjour. Bon. Alors, dites-moi, est-ce que cette fois-ci vous entendez un son d'aspirateur? Non, c'est Non, ça va bon. mieux? Mon PC continue à faire du bruit en parallèle, mais avec le casque, c'est mieux. Alors, oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Voilà, aujourd'hui, je vous retrouve pour le troisième webinaire, mais cette fois-ci, on est passé en mode réunion, comme vous pouvez voir. Parce qu'on s'est dit que ce serait plus sympa pour interagir et que moi, grâce à ce mode-là, je peux aussi sortir, enfin, je vous vois en parallèle de mon PowerPoint, ce qui m'évite de devoir sortir mon PowerPoint pour voir si vous avez des questions. Donc, ça nous permet d'interagir plus facilement. Surtout que maintenant, on sait qu'on est en petit comité et donc on peut se poser des questions facilement. Donc, ce qui serait pas mal, ce serait que si vous pouvez sortir de l'écran noir, qu'on puisse se voir en mode réunion et de vous connecter à la vidéo. Pour ceux qui souhaitent interagir, il faut d'abord rester en mode micro coupé parce que sinon on entend des petits sons de ce qui se passe autour de vous. Donc n'hésitez pas à couper le micro et à le rallumer quand vous souhaitez interagir, tout simplement. Voilà. Alors aujourd'hui, donc tout le monde n'est pas encore arrivé, mais bon, c'est pas grave, ils arriveront au fur et à mesure. Aujourd'hui, donc c'est le troisième webinaire. Je vais vous partager mon écran avec. Voilà. Avec mon petit PowerPoint. Mais cette fois-ci, je vous vois et vous pouvez me voir aussi. Donc, c'est quand même super. Et donc, ce webinaire, voilà, troisième webinaire sur le Covid-19. Pour ce webinaire, j'ai prévu de vous parler de l'adolescence parce que c'est une population avec qui beaucoup d'éducateurs travaillent. Les adolescents, j'interviendrai, puis Marion aussi, des fois, j'interviendrai pour nous expliquer, pour nous donner des outils et des méthodes pour renouer contact avec les familles et les ados. Je vous rappelle aussi qu'il y a deux sessions pratiques qui sont prévues, le lundi 14 et le jeudi 24 septembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Agnès Sylvestre va vous envoyer un email si ce n'est pas déjà fait pour que vous puissiez vous inscrire. Et puis voilà, donc on n'est pas obligé de venir aux deux, vous pouvez venir à l'une puis à l'autre, vous verrez. Donc ces séances pratiques, elles visent à pouvoir échanger sur des situations. Voilà, c'est plutôt des mises en situation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Quels sont les outils qu'on peut développer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre structure à nous? Alors, aujourd'hui, donc j'ai prévu de vous parler de l'adolescence, faire un petit topo sur l'adolescence. Sur les changements physiques qui affectent les adolescents et quelles conséquences ça a sur leur environnement social, sur leur intégration, sur leur bien-être. Et on fera un petit point aussi à la fin sur les conduites à risque chez les adolescents et la dépression. Voilà. Alors. J'aurais bien voulu faire ça. Okay. Je n'ai même pas manipulé. Ok.
Alors, adolescence, ça signifie celui qui est en train de croître. Je vous en avais parlé la dernière fois. L'adolescence, c'est le moment où on sort du cocon familial. Le mot adolescent apparaît vraiment avec son sens actuel au 19e siècle seulement. Parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment cette période de transition entre... Ah, par contre, je ne sais pas qui est-ce que j'entends, mais j'entends quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Marion. Bonjour, Marion. Oui, bonjour. Oui, je coupe. Ça va ? Merci. À tout à l'heure. Voilà, adolescence, jusqu'au 19e siècle, ça n'existait pas vraiment. On passait de l'enfance à l'âge adulte dès qu'on entrait dans la vie active, donc assez rapidement. Et l'adolescence, c'est très culturel, ça n'existe pas dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés encore aujourd'hui dans lesquelles on passe de l'enfance à l'âge adulte en travaillant ou bien via un rituel. On fait une journée de rituel et on devient un homme. C'est comme ça qu'on passe de l'enfance à l'adolescence. Tout ça pour dire que il y a eu beaucoup de changements finalement en 3 siècles, ça paraît long, mais au niveau de l'humanité, c'est pas si long que ça. Et que du coup, la famille est en mutation et en grande mutation aujourd'hui, surtout que l'adolescence s'allonge de plus en plus. La fin de l'adolescence, c'est compliqué de faire un découpage de l'adolescence. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Est-ce qu'on fait un découpage grâce au changement pubertaire? Est-ce qu'on fait un découpage grâce au changement, à l'entrée dans la vie active? C'est compliqué aussi. Il y a des petites filles qui ont à 9 ans qui ont leurs règles. Est-ce qu'on peut dire qu'elles ont des adolescentes? De la même façon, est-ce qu'un adolescent de 12 ans et un adolescent de 17 ans a les mêmes besoins? Non. Donc, on fait un découpage arbitraire en 3 phases, 12-14, 15-17, après 17 ans, et je ne sais pas jusqu'à où ça va après 17 ans. Parce qu'il y a des besoins différents dans ces tranches d'âge-là. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une crise d'adolescence? Pas forcément. Pas forcément. Chaque adolescence est différente. Dans beaucoup de cas, ça se passe très bien. La proportion d'adolescents qui est perturbée psychologiquement est la même que dans le reste de la population. C'est-à-dire, à l'âge adulte, il y a autant de personnes adultes qui ont des troubles mentaux que les adolescents. Donc, ce n'est pas une population spécialement troublée. Par contre, il y a beaucoup de changements pubertaires qui ont lieu et qui font que c'est une population qui est difficile à saisir et avec qui il est difficile de rentrer en contact. Il y a une extrême diversité dans les changements pubertaires. Ainsi, certains garçons commencent leur puberté et d'autres l'ont déjà pratiquement fini. Par exemple, ils commencent leur croissance à 16 ans alors que d'autres ont déjà terminé leur croissance à 12 ans. Et pourtant, ça, c'est dans la normalité. Incroyable. Certaines filles ont des seins qui poussent à 8 ans et d'autres, c'est à 13 ans seulement. Et ça, c'est aussi dans la normalité. C'est considéré comme normal. Donc, ça va avoir des conséquences. À votre avis, quelles conséquences ça peut avoir, cette grande diversité au niveau social, au niveau estime de soi? Quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que vous avez, vous, déjà rencontré des jeunes qui étaient en difficulté face à ces changements pubertaires? Est-ce que vous avez des retours à faire? N'hésitez pas. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Oui, Christelle, si je peux parler. Chez les jeunes filles, on a souvent à cet âge-là une prise de poids qui peut leur poser des soucis parce que la représentation est différente. Donc, elles peuvent se sentir un petit peu différentes et donc gênées par rapport à ça, il me semble. Oui. Oui, donc la prise de poids, effectivement, ça fait partie des changements. Donc, on va avoir effectivement une poussée de croissance, force musculaire, mais aussi prise de poids pour les filles avec des réserves adipeuses qui se forment et surtout avec les standards actuels. On ne s'y attend pas forcément. Enfin, ce n'est pas bien pris. Voilà. Et concernant la diversité, parce que certains, comment dire, vont commencer leur puberté très tôt et d'autres la terminer très tôt. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça? C'était ça ma question. Elle n'était pas très claire. C'est-à-dire certains qui commencent leur puberté très tôt et d'autres qui la finissent très tôt. Qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes-là? Moussa, peut-être tu as des exemples? Je ne voudrais pas donner tous les exemples quand même.
Ou Erwan? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, pour ces filles-là, pour ces filles-là ou ces garçons-là, ils sentent souvent pas à leur place, une sorte d'exclusion. Quand la période de puberté n'est pas dans la norme. Oui, il y a un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas trouver son groupe d'amis de référence parce qu'ils vont trouver des amis qui sont au même stade pubertaire qu'eux. C'est une des façons de créer le groupe. Donc, chez les filles qui sont en avance, elles vont se retrouver avec d'autres filles qui sont plus âgées qu'elles et qui ont les mêmes signes pubertaires, donc déjà de la poitrine par exemple. Et ce qui fait que elles sont peut-être en avance physiquement, mais au niveau émotionnel et au niveau de la communication, elles ne le sont pas. Et donc, elles vont peut-être être poussées par des plus grandes qui vont les accepter dans leur groupe, mais elles vont être poussées à faire des actes qui ne sont pas forcément bons pour elles. Donc, dans ces jeunes filles qui sont plus précoces, on retrouve plus d'actes délictueux, on retrouve parce qu'elles résistent moins à la pression sociale des plus grandes. Pareil chez les garçons, ils ne sont pas du tout acceptés. S'il y a un groupe de garçons qui a déjà un petit peu de poils au menton, un garçon qui n'a pas de poils au menton risque d'être mis à l'écart. Donc, difficulté à s'insérer dans les groupes sociaux. C'est ça qu'on va retrouver. Éventuellement, donc, des comportements délictueux qui en découlent. Et puis même aussi une mauvaise estime de soi. Pour ceux qui n'ont pas commencé leur poussée de croissance alors que d'autres l'ont déjà fait, en sport, c'est pas facile parce que on se sent moins capable que les autres, on a moins de force que les autres. Et c'est le cas d'ailleurs. Ils ont moins de force. Tout à fait. Alors, il y a une croissance qui est disharmonieuse chez les adolescents, donc ça n'aide pas non plus. D'abord, ce qui croît chez eux, c'est les mains, les pieds, et ensuite les jambes, et enfin le tronc. Donc, on a l'impression comme ça qu'ils sont avec des grands membres. Qui flottent, ça donne un peu un aspect assez gauche et peu coordonné. En réalité, au niveau de la coordination, ils ont toutes les capacités, tout à fait normales. Mais ils sont confrontés à tous ces changements corporels et puis ils ne correspondent pas vraiment aux standards attendus puisqu'ils ont l'air un peu bizarres. Donc, ça leur donne un aspect un peu gauche. Et puis, en parallèle, il y a le développement de la mâchoire qui prend un peu plus de place, le front aussi, ils perdent ce visage poupon. Et développement des organes, donc le cœur va se développer, les poumons vont se développer, ils vont grandir très vite. Donc ça aussi, ça peut avoir des conséquences. À votre avis, quelles conséquences ça va avoir sur l'image de soi et du coup, quels comportements vont avoir ces adolescents qui ont une croissance comme ça, qu'on pourrait dire, nous, adultes, disharmonieuse. Mais c'est la règle chez les adolescents, en fait. Sur l'image de soi, l'image de leur corps. Peut-être qu'ils vont avoir des complexes par rapport aux autres, comme ils ne sont pas comme les autres. Et de la même façon, peut-être se rapprocher de groupes de jeunes qui ont la même évolution, c'est-à-dire soit des plus jeunes, soit des plus âgés. Oui, donc du coup, ils se rapprochent automatiquement de ceux à qui ils ressemblent, ça c'est sûr, ouais. Et ils vont avoir des complexes. Donc l'image du corps est plus acceptée. Souvent, ils espèrent que leur corps sera de telle ou telle façon, mais ils n'arrivent pas à se représenter leur corps tel qu'il est à l'adolescence, c'est plus difficile. Et puis du coup, on observe des ados qui sont comme ça, qui ne bougent plus. Vous avez peut-être déjà observé ça, les ados, ils sont là dans leur siège, ils ne bougent plus. Moi, j'en ai au cabinet, dans le siège, et puis surtout, on bouge le moins possible, et puis on n'est pas à l'aise pour bouger, c'est compliqué. Donc, ceux qui font du sport, ça va déjà un peu mieux, mais les autres, c'est plus compliqué. Alors, comment est-ce qu'on pourrait favoriser une image du corps plus positive à l'adolescence, à votre avis? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos assos? Il y a plein de trucs à faire. Bah justement, autour des activités, je dirais, sportives et développement corporel, les faire participer et les encourager. Oui, les activités sportives, ça permet donc de se réapproprier son corps. Oui.
de le faire bouger, de savoir qu'il bouge de telle et telle façon. Parce que ceux qui sont complètement figés, ben, ils ne savent pas en fait comment leur corps bouge. Donc, tout à fait, l'activité sportive. D'autres idées ? Ben, en parler aussi, c'est important d'en parler, l'image. Alors, il y a des petits outils qu'on peut trouver sur Internet. Axe 1, l'environnement et le mode de vie. Donc, être actif, donc ça, c'est ce que vous disiez, hein, faire du sport, bien manger, donner tous les bons conseils pour déjà le corps en lui-même. Étape 2, c'est aussi de parler avec les ados de ces changements-là, parce qu'en fait, qui est-ce qui en parle ? Ben, pas grand monde, mais c'est difficile d'en parler avec eux parce qu'ils ne veulent pas trop en parler, mais il y a des moyens assez ludiques de faire des ateliers là-dessus avec des photos, ça peut être ça, pour connaître son corps aussi, via le sport, et pour connaître ses transformations, dire bah, qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va arriver. Peut-être que chez les garçons, personne ne leur a parlé de la mue, personne ne leur a dit mais à quel moment ça va arriver les poils de barbe par rapport au reste dans les changements. Pareil pour les filles, est-ce que quelqu'un a déjà dit aux filles à quel moment elles vont avoir des seins qui poussent ? Voilà. Un troisième axe, c'est de diversifier les représentations de la beauté. Donc, bah oui, par exemple, pour les Agnès parlait tout à l'heure des filles qui se trouvent grosses. Eh bien, on peut dire que d'une culture à une autre, la beauté, elle varie. On peut dire aussi que d'une époque à une autre, ça varie. Marilyn Monroe était considérée comme une des femmes les plus belles, alors que maintenant, elle serait considérée comme une petite grosse, quoi. Alors qu'au contraire, elle est très belle. Donner différents exemples. Et enfin, axe 4, résister à la pression extérieure. Dire, bah, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour les jeunes qui se retrouvent dans des groupes qui peuvent les pousser, qui peuvent leur dire, bon, bah, voilà, toi, tu n'es pas dans notre groupe parce que tu ne nous ressembles pas. Ou si tu veux nous ressembler, bah, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Il faut en parler de tout ça. Donc, comment s'inclure dans un groupe quand on ressemble ou quand on ne ressemble pas au reste du groupe. Tous ces axes-là, ils peuvent être travaillés avec les ados de façon quand même assez ludique. Je vous ai mis un petit lien en dessous là où vous pouvez retrouver des outils pour travailler avec les ados sur ce point-là. Les changements pubertaires, c'est aussi, il faut le dire, l'avancement de l'âge de la ménarche. La ménarche, c'est les menstruations. C'est l'avancement séculaire. Donc, si vous regardez ce graphique-là, vous allez voir qu'en 1850, en France, l'âge des règles moyen, c'était 15 ans. Et qu'actuellement, l'âge des règles moyen en France est 12 ans et demi. Donc, ça a bougé parce que les filles sont... parce que la population est mieux nourrie, il y a une meilleure hygiène, une meilleure médecine. Et puis, surtout en ce moment, il y a les perturbateurs endocriniens et l'obésité qui jouent. Donc, avancement encore plus rapide actuellement de l'âge des règles. Ça aussi, ça peut avoir des conséquences. À votre avis, qu'est-ce qui se passe pour les filles qui ont leurs règles plus tôt que les autres et celles qui ont leurs règles plus tard que les autres? Qu'est-ce qui peut se passer pour elles, à votre avis? Que vous vous mettiez un petit peu dans la tête de ces filles et voir de quoi elles ont besoin et pour leur parler. Bah, une jeune fille qui a, enfin, la majorité des jeunes filles qui ont leurs règles. Moi, je travaillais dans un collège, par exemple, et il y en avait très peu qui avaient leurs règles en sixième. Mais en sixième, on est encore un bébé. Enfin, voilà. Et du coup, d'avoir ces règles, on n'a pas vraiment sa place, quoi. On n'a pas sa place avec les filles de notre âge, les petites ados de 11 ans. Et puis, on n'a pas envie non plus d'être avec les troisièmes parce qu'elles sont déjà grandes. Elles sont avec des garçons aussi qui sont en troisième et... Et là, il y a vraiment un décalage. Donc, elles se sentent pas du tout à leur place. Elles sont très complexées. Et avec les règles, il y a l'acné aussi. Il y a plein de choses. Il y a la prise de poids, comme disait Agnès. Et c'est vraiment compliqué. Elles se sentent exclues, en fait, je dirais même. Oui, c'est plus simple quand ça arrive en même temps que tout le reste, que pour les autres. Tout à fait. Et je dirais qu'elles ont souvent du mal à comprendre tous les changements que ça implique au niveau corporel. Donc, elles sont un peu perdues parce que souvent, on ne leur en parle pas directement. Dans les familles, ce n'est pas non plus quelque chose qui est forcément parle forcément. Et donc, pour elles, elles ne savent pas non plus auprès de qui poser leurs questions. Oui. Je ne sais pas si les garçons là, qui sont là, je ne sais pas, Laurent, Erwan, Moussa, vous avez eu des...
des échanges avec des filles comme ça à propos des règles, ou si justement elles n'en parlent qu'aux filles aussi, peut-être que c'est quelque chose qui est peut-être compliqué à aborder pour elles aussi. Moi personnellement, j'ai jamais eu des échanges par rapport aux règles avec des filles. Je pense que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure avec la puberté plus ou moins qui arrive plus ou moins tôt ou tard. C'est le même problème. Donc moi j'ai pas eu non plus l'occasion et ni l'envie, je vous avoue, de discuter de ces sujets-là avec les filles. D'abord par rapport à ma position en tant que garçon et par rapport aux filles, j'ai pas envie de donner l'impression de rentrer dans leur cercle très intime. Et voilà, et puis je laisse le soin à Agnès ou à Christelle, si besoin d'aborder ces sujets-là qui me semblent peut-être mieux placés que moi pour ça. Ceci étant, outre les changements que Agnès ou Christelle vous avez noté, c'est vrai qu'il y a un véritable impact sur, en tout cas moi je le vois, sur la performance et sur le quotidien, leur place. Et c'est vrai que c'est quelque chose, mais pour moi en tant que garçon, c'est pas facile à aborder. Alors effectivement, peut-être pas forcément l'aborder de façon directe, mais en parler et dire que c'est un sujet sur lequel vous pouvez être ouvert ou en tout cas orienté vers quelqu'un d'autre, dire vous pouvez en parler à telle personne, dire que c'est possible d'en parler et d'avoir des informations. Ces jeunes filles-là qui ont leurs règles très tôt et on ne leur a rien dit, elles ont éventuellement des inquiétudes liées à la conception. Elles se disent, est-ce que je peux tomber enceinte ou pas ? Et personne ne leur a jamais parlé de ça. Donc ça, c'est compliqué. Pareil, est-ce que c'est douloureux ou pas douloureux ? À qui est-ce que je peux en parler ? Est-ce que je peux me plaindre ou pas quand les autres n'ont pas ce problème-là ? C'est compliqué. Celles qui ont leurs règles plus tard que les autres, elles ont des inquiétudes liées à la conception, mais justement parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir un jour être enceinte, elles ont peur de ne pas pouvoir. Là, il y a aussi des difficultés à s'identifier à la maman qui, elle, a eu l'enfant. Et donc, s'identifier, se dire un jour qu'on peut être une maman, c'est plus difficile pour ces filles-là. Donc, il y a peut-être aussi besoin de rassurer celles pour qui ça arrive plus tard. Mais comme on n'en parle pas, on ne le sait pas tout ça. Or, ça peut être un sujet intéressant à aborder pour ces filles. Ça fait partie des grands changements de l'adolescence. Donc, après, moi, je peux comprendre que vous soyez parfois gênés, bien sûr. C'est intime, c'est chacun sa représentation des menstruations. Et en fonction de son histoire personnelle, simplement dire, tiens, tu peux en parler avec un tel, n'hésite pas à poser des questions, c'est tout à fait normal d'avoir des questions. Voilà, orienter en fait. Christelle, est-ce qu'on sait pourquoi l'âge est de plus en plus précoce ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis en fait 1850, il y a une amélioration, enfin même un peu avant, il y avait une amélioration de l'hygiène de vie, de l'alimentation. Il y a aussi le fait qu'il y a plus de mixité, c'est-à-dire qu'il y a plus de croisements génétiques. Et donc, ça aussi, ça améliore le patrimoine génétique. Bref, tout est parfait pour que l'espèce humaine se reproduise de plus en plus. Et je disais aussi, il y a les perturbateurs endocriniens et l'obésité qui, en ce moment, favorisent encore plus l'avancée en âge de la ménarche. Voilà. Le pic de croissance maintenant. Alors, vous le savez aussi, il y a un pic de croissance chez les ados, chez les filles. Il est décalé, il est un peu plus tôt chez les filles, enfin, même beaucoup plus tôt. C'est vers 11-12 ans qu'il commence chez les filles, il finit vers 16 ans. Chez les garçons, il commence à 14-15, il finit à 18-20. Donc, il y a un large écart. Et les deux vont prendre environ 8 à 15 cm par an. Donc, c'est beaucoup. Là aussi, quelles conséquences ça peut avoir chez les ados ? Ça peut avoir comme conséquence des plaintes somatiques parce que ça fait mal, parce que tout à coup, ça pousse. Donc,
Ce qui est compliqué avec ces plaintes somatiques, c'est qu'on ne peut pas les ignorer. Parce qu'à partir du moment où une personne se plaint d'une douleur, c'est quand même... je ne sais pas, si vous voyez un adulte qui se plaint d'une douleur, on a toujours tendance à se dire « Ah bah tiens, c'est un adulte, donc c'est vrai. » Et encore, quand il a approche d'un arrêt de travail, ça nous dérange un petit peu. Mais quand c'est un enfant ou un adolescent, on a toujours tendance à se dire « Oh, est-ce qu'il ne simule pas un petit peu ?» Or, chez un enfant ou chez un adolescent, il ne faut jamais prendre à la légère les plaintes somatiques. Parce que c'est une façon d'exprimer un malaise. Alors, ce n'est peut-être pas propre vraiment au corps, mais il y a un malaise quelque part et il faut l'interroger. Donc, si ce n'est pas lié vraiment à cette, ce pic de croissance, ça peut être lié au mode de vie, à une alimentation déséquilibrée, à des prises d'alcool, de médicaments, des couchers tardifs. Enfin, on sait que ça, c'est très possible chez les adolescents. Un sport pratiqué de façon excessive. Donc, tout ça, ça peut provoquer des douleurs. Et pourquoi pas en parler, en fait. S'il y a une plainte somatique, douleur que ce soit les menstruations ou la croissance ou mal à la jambe, mal à la tête, il faut toujours en parler avec l'ado. Au passage, je précise concernant le sommeil qu'un adolescent, ça dort au moins 8 heures par nuit et chez ceux qui ont une activité sportive importante, c'est 10 heures. Et ce n'est pas respecté parce que 10 heures, ça impliquerait pour certains de se coucher à 19h30. Donc, ce n'est clairement pas du tout respecté. Or, on sait que c'est nécessaire pour l'hygiène physique et mentale. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai une question, Christelle. Ouais. Est-ce que justement ce souci de sommeil, est-ce qu'on peut considérer qu'on pourrait le rattraper pendant les vacances, par exemple, s'il manque 2 heures par nuit, enfin s'il leur manque 2 heures par nuit, est-ce que leur expliquer de bien dormir pendant les vacances, ça pourrait récupérer un peu de sommeil ou ça n'a aucun impact ? On dit qu'il n'y a pas vraiment de récupération du sommeil. Pendant les vacances, on trouve son rythme de sommeil. Donc justement, s'ils dorment plus, c'est qu'ils ont besoin de tant d'heures. C'est là qu'on voit le rythme de sommeil de l'enfant et de l'adolescent, même de l'adulte, quand on n'est pas contraint par un réveil, par un coucher lié à l'environnement. Mais en fait, on ne récupère pas le sommeil, on l'a perdu, en fait, c'est trop tard. Donc c'est ça qui est compliqué à l'adolescence. Et en plus, les collèges ne prennent jamais en compte le rythme. Souvent, ils ont besoin de se... Parce que l'horloge biologique est déréglée aussi, enfin, se règle différemment à l'adolescence, mais ils ont besoin de se lever plus tard et le collège ne prend jamais ça en compte. Par exemple. Voilà, après, pareil pour les activités extrascolaires, c'est compliqué de faire en plus du collège, c'est toujours compliqué. Donc, on s'adapte et surtout, il faut remarquer que chez les personnes qui sont plus stables, qui ont plus de ressources finalement émotionnelles, affectives, etc., il y a un meilleur respect quand même de ces heures de sommeil. Donc, elles vont aller se coucher plus tôt et faire plus d'attention à elles et respecter un peu plus leurs besoins. Donc, c'est surtout à agir en prévention pour que les jeunes respectent leurs besoins et évitent d'être sur leurs écrans, les réseaux sociaux avant de dormir ou la télé. Bon, alors, tous ces changements-là hormonaux, ils sont liés à un développement du cerveau. Ils sont liés à l'hypothalamus qui envoie toutes les infos à l'hypophyse, qui est une glande qui sécrète les hormones, qui va favoriser le développement des gonades, les testicules, les ovaires chez les filles. Et puis en parallèle, le cerveau, il va se développer aussi au niveau du cortex, il va continuer son développement normal comme pendant l'enfance pour permettre de meilleures capacités cognitives. Donc à l'adolescence, plus de capacités pour faire des hypothèses, pour faire des expériences. Avant, un enfant n'est pas vraiment capable de faire une hypothèse. Il n'est pas capable de mettre au point une vraie expérience pour tester ses résultats. Il n'est pas capable de faire preuve de métacognition. Donc, de penser à ce qu'il est en train de penser. Tout ça, c'est capable, c'est possible chez les ados. Et ce qui va être possible aussi, ça va être de penser à la justice sociale, de résoudre des dilemmes moraux pour eux, qu'est-ce qui est bien ou pas bien, pourquoi. Et ils vont être de plus en plus capables de se comparer aux autres. Et cette comparaison avec les autres, ça leur permet, enfin tout ça, ça leur permet, toutes ces capacités cognitives, ça leur permet de se construire au niveau identitaire. La construction identitaire, elle se fait grâce à des identifications pendant l'enfance. Et toutes ces identifications aux parents, hein, pendant l'enfance, principalement aux parents, elles sont remises en cause à l'adolescence. Toute l'identification figure parentale à l'adolescence, c'est un peu, finalement, est-ce que c'était la bonne solution ? Est-ce que j'ai bien fait de trouver que ma mère était parfaite ? Est-ce que j'ai bien fait de trouver que mon papa il était complètement idéal ?
Tout ça s'est remis en question, notamment grâce aux nouvelles identifications qu'il va y avoir avec les amis. Les amis vont pouvoir être des personnes avec qui on va se comparer, donc trouver des points de similitude et des points de différence, et on va créer des nouvelles identifications comme ça. Et donc, c'est ce va-et-vient entre les différentes identifications famille-amis qui permet de faire des choix idéologiques, religieux, sexuels et professionnels. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'adolescent s'ouvre en dehors de son cocon familial, et ça passe d'abord par les amis. Le rôle de la famille, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est de sortir du cocon, c'est de l'aider. Il n'y a pas forcément de rupture avec les parents. Au contraire, plus l'attachement est bon et sécurisant avec le parent, plus la prise d'autonomie est facile. Bon, toutefois, il y a quand même des conflits, hein, même si ça se passe bien, il y a quand même des conflits avec les parents qui sont liés aux habitudes de vie. Est-ce que j'ai changé de coupe de cheveux? Est-ce que je me suis habillée différemment? À quelle heure je sors? À quelle heure je rentre? Donc, c'est souvent sur des sujets assez superficiels, mais ça permet de négocier des choses dans la famille. Et négocier avec son parent, c'est aussi c'est un des moyens de pouvoir aussi s'affirmer à l'extérieur. Donc, il y a des familles dans lesquelles on négocie jamais, donc les familles avec un style plutôt autoritaire ou les familles où on file tout à l'enfant. Et dans ces cas-là, bah, c'est plus dur. L'enfant n'a pas, enfin, même l'ado n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir négocier auprès de ses amis ensuite. Donc, il s'inclut moins bien dans les groupes de pairs. Globalement, il réussit moins bien, moins bonne estime de soi. Bon, les conflits, ils diminuent beaucoup dans la deuxième partie de l'adolescence. Souvent, donc, voilà, 11-18 ans, c'est souvent plus de conflits avant 15 ans chez les filles et après 15 ans chez les garçons. C'est plus important chez les jeunes étudiants que ceux qui sont des jeunes en insertion professionnelle parce qu'ils sont déjà plus autonomes. Plus important chez les aînés que chez le reste de la fratrie parce que les aînés, bah, il faut que les parents fassent la main avec eux, si je puis dire. Donc, le reste de la fratrie bénéficie de choses des premières négociations des aînés. C'est plus de conflits avec le père qu'avec la mère. C'est souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent comme ça. Et puis, on note aussi une augmentation des conflits parents-adolescents lorsque les transformations physiques sont très rapides. C'est-à-dire que, et inversement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des transformations très rapides, ça peut induire des conflits familiaux, mais en même temps, des conflits familiaux très importants incluent des changements très rapides aussi. Voilà. Donc, on ne s'y attendait pas forcément. J'avance un peu plus vite. Voilà, donc le groupe des amis, hein, vous savez, ça permet de partager des valeurs, ça permet de... Voilà, on l'a vu. Et dans tous les milieux sociaux, ce sont des groupes d'amis spontanés qui se font. Les amis, l'ami proche, lui, c'est plus spécifique. Il y aura un ou deux amis proches à qui on ressemble beaucoup. Il y a une symétrie, il y a un même niveau intellectuel pour mieux pouvoir partager, pour mieux communiquer, mieux collaborer. Le groupe d'amis, lui, en revanche, il est un peu plus étendu et il permet de partager des choses moins intimes. Mais les deux, le groupe d'amis et les amis intimes, sont très importants à l'adolescence. Donc aussi, il faut se poser des questions quand il n'y a pas un grand groupe d'amis, quand il y a juste un ou deux amis, c'est que finalement, les compétences sociales de l'ado sont quand même assez limitées, finalement, et qu'il pourrait avoir plus d'amis s'il partageait plus, s'il arrivait à mieux communiquer, peut-être. Alors, excuse-moi, ouais. Christelle. Est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif de restreindre son cercle d'amis, entre guillemets? Est-ce que c'est forcément le témoin de sa capacité, de son incapacité à interchanger, enfin, ou autre chose? Est-ce que ça peut pas être... C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a parfois des adolescents qui ont un ou deux amis et ils disent « moi, je suis très bien comme ça ». Mais quelque part, c'est aussi se dire, tiens, j'ai un parent, deux parents et je ne m'ouvre pas plus à l'extérieur. Voilà. Donc, ça reflète simplement l'ouverture à l'extérieur. Après, parallèlement, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont ouverts dans plusieurs groupes d'amis, qui sont très populaires. Et ce n'est pas pour autant que ça ne cache pas quelque chose. Parce que quand on est très populaire, mais qu'on n'a pas d'amis très proches à qui se confier,
et que c'est pas très fixe, c'est pas bon non plus. Donc, je veux pas faire des généralités, mais simplement, quand on a très peu d'amis, que c'est un ou deux amis seulement et qu'il y a personne d'autre à côté, c'est pas non plus un grand équilibre. Quand on n'a pas d'amis très proches à qui se confier, c'est pas non plus un bon équilibre. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est généralement, il y a le petit noyau, un ou deux amis, et puis à côté, la clique qui peut aller jusqu'à 15, 30 personnes. Et là, c'est très large. C'est-à-dire, c'est les amis des amis et on se retrouve de temps en temps avec un petit groupe, un autre petit groupe. Et on se connaît tous parce qu'on fait tous de la musique, parce qu'on fait tous du sport, parce qu'il y a un échange, il y a une culture de groupe qui se fait à ce niveau-là. Alors que si c'est un ou deux amis, c'est surtout des confidences. Les deux apportent quelque chose à l'ado. Donc voilà, l'équilibre, c'est les deux généralement. Et juste, Christelle, par rapport aux amis sur les réseaux sociaux. Oui. Mais j'ai pas les faux amis, mais bon, des amis qui sont rencontrés sur les réseaux, tu prends ça en compte comment ? Alors, c'est intéressant. Enfin, à partir du moment où c'est des amis, je vois pas de problème. Il y a des relations à distance qui sont bien gérées, mais encore une fois, il faut pas qu'il y ait que ça. Il faut qu'il y ait le reste. Il faut qu'il y ait aussi des amis en vrai. Il faut qu'il y ait un ou deux amis vrais, de confidence, et puis après, la clique autour. C'est ça, normalement. C'est comme ça que ça se passe. Sur les réseaux sociaux, ça ne pose pas de problème de se faire des amis. Il y a même des rencontres amoureuses qui se font et qui après débouchent sur quelque chose de réel, pas de virtuel, dans le sens réel, virtuel, opposition. Ça, c'est pas un souci. Ça peut déboucher sur des très bonnes choses. Ce qui est compliqué sur les réseaux sociaux, c'est plutôt les gens qui se font passer pour des jeunes ou pour des personnes et qui font des avances sexuelles sur les réseaux, des fausses identités. C'est plutôt ça qui est compliqué. Tu pensais à quelque chose, toi, Agnès, en parlant de non, ça je me disais qu'il y avait pas mal de jeunes qui avaient plus d'amis, finalement, sur les réseaux, virtuels, on va dire, plus que des amis réels. Et je me demandais si ça posait problème. Donc, si j'ai bien compris ce que tu as dit, l'idéal, c'est d'avoir un petit peu un ou deux amis proches, quelques amis, un groupe d'amis réels. Mm. Et à côté de ça, ça ne pose pas de problème d'avoir des amis sur les réseaux. Mais seulement oui. Réseau plus proche, ça ne suffirait pas. Seulement réseau, ça marque quand même je ne sors pas beaucoup de chez moi. Je suis toujours derrière mon écran. Et finalement, j'interagis toujours avec une distance du virtuel, le virtuel qui est toujours entre moi et l'autre. Donc, ce n'est pas forcément très bon signe. Le mieux, c'est quand même de se rencontrer. Et il y a la spontanéité dans les rencontres. En vrai, quoi, qu'on n'a pas sur les réseaux sociaux. Alors, conduite à risque à l'adolescence, bon, j'ai marqué ceinture de sécurité, alcool au volant, tout ça, c'est pour les plus grands. Peut-être que vous avez d'autres exemples de conduite à risque pour les plus jeunes, les adolescents. On dirait tout ce qui est drogue. Oui, ça fait partie des conduites à risque. Il y a toutes les problématiques là actuellement avec le gaz hilarant, comme ils disent. Oui, le protoxyde d'azote. Voilà, merci. Ouais. Et puis, il y a les adolescents qui font des graffitis. Il y a aussi ceux qui marchent le long des voies ferrées et qui passent juste avant que le train passe. Donc, la prise de risque. Pourquoi, à votre avis, il y a de la prise de risque à l'adolescence ? Il y en a plus qu'à d'autres âges. Pourquoi ? L'expérience, hein. Faire des expériences. Oui. Faire des expériences. Pour connaître ses limites, en fait. Et avoir, il y a aussi l'effet de groupe. Tiens, je fais ça, tu le fais aussi. Être accepté par les autres. Oui. Tout à fait. Et je pense que le rapport au danger n'est pas le même que pour un adulte, quoi. Je pense que c'est Oui, parce qu'en fait vous avez tout trouvé. En fait, chez les adolescents, il y a cette zone là du cortex préfrontal qui n'est pas encore tout à fait développée, enfin qui est en développement à ce moment là donc il y a plein de réorganisations, et c'est la zone qui gère le risque. Et donc il y a une recherche de sensations fortes et une prise de risque qui est moins bien gérée, moins bien évaluée chez les adolescents. Donc, et en plus, ça va avec s'inclure dans un groupe d'amis, se trouver ses limites, se sentir fort.
Donc, il y a plus de conduite à risque. Alors, ces comportements-là, ils vont être délaissés lorsque, par exemple, si c'est pour m'inclure dans un groupe social, lorsque je trouve d'autres façons de faire. Si je trouve enfin la bonne répartie, si je résiste à la pression sociale qui dit « mais vas-y, va, traverse le rail, on verra, moi je le fais », si j'arrive à trouver les arguments, là, toutes ces conduites-là disparaissent normalement. On a moins aussi ces comportements-là chez les jeunes qui ont des parents avec qui ils ont pu négocier. Chez des jeunes qui ont des parents qui sont ni trop autoritaires, ni trop permissifs, donc qui arrivent à se faire leur propre avis et qui arrivent à imposer aussi leur point de vue avec les autres. Donc tout ça, c'est des compétences sociales. On est aussi sur le problème de la vente de la drogue. Personnellement, je le vois au quotidien. Il y a de plus en plus de jeunes, et ça commence de plus en plus tôt, qui vendent de la drogue. Oui. Et pour faire comme les autres. Et ça commence vraiment très tôt. Hein. Il y en a qui commencent à 12-13 ans. Oui. Donc, c'est une conduite à risque aussi, parce qu'effectivement, tu risques de te faire choper par le policier, c'est ça ? Dans ce sens-là, ouais, c'est une conduite à risque. Ça encore, ça, c'est pas le plus gros problème. Oui ? Qu'est-ce que tu veux dire, Erwan ? Ah, la police, c'est pas le plus gros problème. C'est qu'après, t'en sors pas. Et moi, j'ai vu des jeunes qui sont tombés dans ça dans 14 ans, 15 ans. Maintenant, ils en ont 23, ils sont toujours dans ça et ils n'ont pas de vie. Oui, donc c'est aussi leur groupe social qui tourne autour de ça. C'est les amis qui sont dans ce groupe-là. C'est comme ça que ça commence. Au départ, c'est prendre un peu de risque, etc. Mais c'est aussi se mettre dans un groupe d'amis. Donc la solution là, c'est voilà, on fait ce qu'on peut dans les quartiers, mais c'est de créer d'autres capacités, de les faire réfléchir. Est-ce que vraiment de développer aussi l'humour ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités ? Et puis, il y a des questions économiques aussi derrière. Enfin, si je vends de la drogue, c'est que ça rapporte quelque chose. Ce n'est pas juste pour être inclus. Il y a aussi l'idée de plus tard avoir une voie professionnelle tracée dans la vente de la drogue. Donc, il y a d'autres modèles, en fait, d'autres identifications. Là, chez ce jeune-là, il va s'identifier à le patron qui vend de la drogue. Ça va être ça, son modèle, sa figure parentale. Donc, chez ces jeunes, c'est développer les compétences sociales et proposer d'autres modèles d'identification. Voilà. Certaines fois, le problème de drogue, les jeunes vendent de la drogue parce qu'ils sont sous pression des plus grands. Oui. Et ils sont dans l'obligation de le faire. Et ça, c'est d'autres problématiques. Et j'allais dire, c'est difficile pour nous de trouver des solutions par rapport à ça, justement. Peut-être que Marion, tu as peut-être des pistes pour nous par rapport à ça, puisque tu es plus au quotidien sur des problématiques comme ça, il me semble. Problématiques de drogue, oui, on en a avec nos jeunes. Voilà, moi, c'est enfin vraiment ce qui découle des jeunes de l'asso, c'est l'argent facile. Voilà. Donc, après, bien sûr, c'est aussi la consommation gratuite, hors vendant de la drogue, mais il n'y a pas tellement de problèmes de pression. C'est-à-dire qu'eux, ils le font juste pour avoir de l'argent facile, juste pour pouvoir sortir, pour, voilà. Mais non, il n'y a pas de problème de grands frères, tu vois, enfin, voilà, qui leur mettent la pression. Donc, excuse-moi, ça, c'est-à-dire pour tes jeunes, ils peuvent en sortir J'allais dire, bah, en fait, ils veulent. Voilà. Bah, si, je pense. Parce qu'il y a. En fait, ils sont en décrochage scolaire aussi, d'un côté. Donc, faire des études, travailler pour avoir un SMIC à la fin du mois, en fait, ils sont. Bah, ils ont une autre réalité de la vie. Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué. Ils veulent pas en sortir parce que c'est de l'argent facile. Et d'un autre côté, ils aimeraient avoir. Un bon travail, un bon emploi, s'insérer en fait professionnellement, mais déjà au niveau de l'école, c'est dur. Oui, donc c'est-à-dire qu'en fait, le groupe social, le groupe amical ici propose des alternatives différentes de la famille, des associations, et donc ils s'identifient soit à l'un, soit à l'autre. Soit aux parents qui ont travaillé ou qui sont au chômage, ce n'est pas forcément quelque chose qui est attractif pour eux. Et puis, ils vont peut-être préférer s'identifier à quelqu'un qui a de l'argent facilement, qui a tous les pouvoirs. C'est agréable, hein, c'est grisant, quoi. Bah en fait, j'interviens, mais c'est une triste réalité.
en fait, pour eux, parce que d'un autre côté, il y a très peu de personnes au niveau institutionnel, pédagogique, qui croient en eux. Donc, voilà, la fracture, déjà, elle commence par l'école. Elle se poursuit au collège. Après, bon, il y en a qui suivent le lycée, mais voilà, dans des voies qui ne les intéressent pas forcément parce qu'ils ont été orientés. Et donc, pour eux, c'est un échappatoire. Et voilà, vraiment, par exemple, l'éducation nationale n'a pas eu confiance en moi, ne m'a jamais écoutée. Voilà, il y en a d'autres qui m'écoutent. Je vends de la drogue, c'est illégal, mais au moins j'ai de l'argent facile et je peux subvenir à mes besoins et éventuellement aux besoins aussi de ma famille. Ouais, c'est une prise d'autonomie. Voilà. Hein. Voilà. C'est une vraie prise d'autonomie à l'adolescence. Mmh. Ouais. Ça me permet de faire la transition avec le prochain slide qui porte sur la dépression. Parce que tu dis qu'il ne voit pas d'autre issue. Il n'y a pas de scolarité, il n'y a pas de possibilité d'avoir de l'argent, il ne voit pas vraiment. Et ben, c'est aussi une autre solution à ce qui pourrait leur arriver s'ils ne le faisaient pas, c'est la dépression. La dépression, c'est quand on n'a pas d'autre issue. Et on voit que ça tourne en boucle et on voit qu'il n'y a pas d'autre issue. Sentiment que quoi qu'on fasse, ça finira pas forcément bien. Donc, effectivement, pour ces jeunes en qui personne ne croit, ils ont l'impression qu'ils sont nuls partout, ça peut être aussi une façon de fuir la dépression. Ah, pardon, c'était autre chose. Je pensais que j'étais sur la dépression, mais en fait, je suis sur la tentative de suicide. Excusez-moi. Bref, tentative de suicide et dépression, c'est pas exactement la même chose. On ne fait pas forcément une tentative de suicide parce qu'on est dépressif. En tout cas, tentative de suicide, c'est toujours une conduite d'appel, c'est-à-dire un appel à l'aide, quoi. J'ai mal fait ma transition. Désolée. Il y a des signaux de la tentative de suicide. C'est le retrait. C'est de toute façon, à chaque fois qu'il y a du retrait, il faut s'inquiéter. L'agitation. Est-ce qu'il y a un débordement quelque part et qui est inhabituel? Et puis parfois, sur la tentative de suicide, il y a un petit pressentiment des adultes qui n'écoutent pas. C'est-à-dire l'ado qui dit « puisque c'est comme ça que je vais me suicider », et puis il fait une tentative de suicide, alors qu'on pensait qu'il disait ça pour rire. On s'est dit oh, « vraiment quand même, on ne l'écoute pas ». Donc, la tentative de suicide, il y a des petits signaux, des petites conduites d'appel comme ça, des petits signaux même préalables, et on ne les voit pas toujours. C'est très difficile parce qu'à l'adolescence, ils sont susceptibles, on ne peut pas trop leur parler. Ils sont impulsifs et puis en plus, ils ne veulent pas forcément embêter les adultes. Donc, si vous avez le moindre doute, le mieux, c'est de leur demander. Parce que, au contraire, on pourrait se dire, tiens, demander, ça va entraîner le passage à l'acte. Mais en fait, demander, ça leur permet de parler. Ça ouvre un espace de parole. Et à partir du moment où ils trouvent une possibilité de parler du mal-être, la tentative de suicide disparaît. Voilà. Donc, surtout, en parler. Tentatives de suicide qui sont plus nombreuses chez les filles que chez les garçons. Mais plus réussi chez les garçons. Donc ça, c'est très difficile. Les suicides sont plus fréquents chez les garçons que chez les filles. On dit que, les statistiques, c'est 20% des filles et 9% des garçons de 15 ans déclarent avoir déjà tenté de se suicider. Donc 20% des filles, 9% des garçons. Ça fait quand même 2 pour 10 personnes chez les filles. Et 1 pour 10 chez les garçons. Donc, c'est la deuxième cause de décès après l'accident. Accident qui peut être aussi une conduite à risque chez les adolescents. Donc, c'est à chaque fois des conduites d'appel qu'il faut percevoir. Christelle, j'ai une question. Oui. OK, on a perçu qu'il y avait une jeune ou un jeune qui a souhaitait ou qui a fait une tentative de suicide, vers qui on les oriente en fait? Parce que nous, on peut discuter comme tu dis, mais après, est-ce qu'il y a des structures spécifiques? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Est-ce qu'on en parle aux parents? Le problème, c'est qu'il faut en parler aux parents, parce que les parents, bien sûr, c'est eux qui doivent être au courant. Il faut absolument que ce soit au courant. Il faut établir la confiance avec les parents, donc il faut tout de suite les mettre au courant. Et puis... Il y a des structures qui sont spécialisées, mais c'est quand c'est vraiment très grave. Il y a la Maison des adolescents à Paris, c'est spécialisé là-dedans, mais il y a très peu de place. Après, c'est le psychologue, c'est au CMP ou c'est en secteur libéral, mais pareil, surtout les CMP, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, ça veut dire qu'il faut payer
pour aller au CMP. Sinon, il y a des points d'accueil écoute jeunesse, mais qui ne favorisent pas un travail poursuivi. C'est-à-dire, on va voir un psychologue un jour et puis le lendemain, on n'est pas sûr de retrouver le même psychologue. Il y a aussi les centres d'écoute téléphonique qui peuvent permettre, ils ont bien marché là pendant le confinement, on appelle et puis on peut parler, on peut parler d'idées suicidaires, on peut parler de dépression, on peut lâcher et au moins être écouté là-dessus. Alors que le problème souvent, c'est que les personnes n'osent pas en parler à leurs proches, ils gardent tout ça pour eux en se disant bah non, il faut que je sois justement adulte, il faut que je me débrouille tout seul, mais c'est trop dur à gérer tout seul. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de structure, ou sinon c'est que temporaire. C'est du temporaire. Bon, j'ai pas trop le temps parce que je vais finir vite. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser après. Donc voilà, la dépression. Simplement, je voulais vous dire sur la dépression qu'il y a plein de symptômes, mais que donc repli, ça c'est le premier toujours. Tristesse, trouble du sommeil, mal de tête et difficulté attentionnelle. Ça peut être, c'est quand on voit un changement de difficulté attentionnelle, c'est que ça peut être dépression. Souvent des conduites d'appel et des usages de drogue associés. Et par contre, attention, parce que la dépression, certains enfants, certains ados ne montrent pas de tristesse. Et pourtant, ils sont dépressifs. C'est-à-dire que si on leur pose la question, tiens, là, tu t'assois deux secondes, et, tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens là? Et bien là, tout à coup, ils vont te dire qu'ils ne ressentent rien, ni plus ni moins, il n'y a pas d'émotion. Et si tu leur demandes bah, qu'est-ce que tu feras quand tu auras 30 ans, bah, franchement, je ne vois pas la vie après 30 ans. Pour moi, il n'y a pas de vie après 30 ans. Mais ils ne montrent aucune expression de tristesse. La dépression, ça peut aussi être ça. Ça peut être plus aucune émotion. Voilà. Voilà. Et donc, on aura peut-être le temps d'en reparler après si vous voulez rester après-midi. Mais je vais surtout laisser la parole à Marie, pour qu'elle nous parle des outils pour renouer contact avec les jeunes et les familles. Marion, c'est bon, tu vois le PowerPoint, donc voilà, tu peux. Voilà, c'est super. Oui. Donc, alors, les outils principaux pour rester en contact, c'est plus pour rester en contact, je dirais, que pour renouer avec les jeunes et les familles, donc ça reste le numérique. Donc téléphone, tablette, ordinateur, donc sur tout ce qui est effectivement création, groupe Snapchat, atelier TikTok, tout ce qui est réseaux sociaux et applications réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment avec les jeunes. Après, avec les familles, c'est du contact téléphonique, plus que du contact numérique. Et on en parlait la dernière fois. Voilà, il y a beaucoup de familles, enfin nous au niveau de Culture sur Cours, qui n'ont pas d'accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur. Donc voilà, le téléphone reste le premier moyen de garder le contact. Après, effectivement, nous au niveau du confinement, on a créé sur les réseaux sociaux donc deux grandes dictées. Qui a rassemblé, alors pour la première grande dictée, il y a eu une vingtaine de personnes et pour la deuxième, il y a eu une cinquantaine de personnes. Alors, tout âge confondu. Hein. Donc, les jeunes, les mamans, les papas, les bénévoles, les encadrants, les animateurs, les éducateurs, enfin tout le monde. Voilà, donc ça a été une belle réussite et donc on a monté en fait de A à Z cette grande dictée par réseau social qui était JITU. Voilà. Marion, oui. Tu dis que garder le contact avec la famille, ça passe surtout par le téléphone. Est-ce que tu pourrais nous dire en moyenne à quelle fréquence tu appelles les familles ? Alors là, je parlais du confinement. Oui. Le confinement, c'était quotidien, voire tous les deux jours. Et après, à la sortie du confinement, en fait, ce qui est assez simple, c'est que les gens passent directement. C'est les habitants du quartier. Donc, le lien, il s'établit en fait tous les jours. Soit ils passent me voir sur l'association, soit je les croise dans la rue. Voilà.
quand l'association est ouverte, c'est pas, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. C'est vraiment du contact physique. Et en plus, c'est ça principalement que nous, nos familles recherchent. Et c'est pour ça qu'elles viennent à l'association. Si justement, voilà. D'un coup, tu vois qu'une famille ne vient plus, tu appelles J'appelle. Oui, là, j'appelle. Alors, après, il y aura sur la famille, parce qu'on a donc principalement donc, les mamans et les jeunes, mais voilà, avec le jeune, quand l'association est ouverte, on a toujours le contact. Donc après, bon, bah, les mamans passent parce qu'il y en a qui travaillent, elles ont des horaires parfois en décalé, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on a toujours des nouvelles. Après, c'est vrai que si on voit plus le jeune et plus la maman, oui, là, je vais appeler derrière. Parce que c'est pas normal, en fait. Il y a certaines familles, je les vois tous les jours ou tous les deux jours, donc ouais, c'est pas normal, donc c'est téléphone. Ça t'est déjà arrivé, ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ces familles-là qui perdent le contact, comme ça ? Tu as des exemples à nous donner ? Alors, c'est pas des pertes de contact définitives, hein, mais en général, c'est des événements familiaux. Mmh. Pas forcément négatifs, hein. Je ne veux pas dire, mais il y a pas, enfin, des enterrements. Donc, en général, la famille part pendant 5 jours, une semaine dans la famille. Mais ça peut être aussi des mariages, des baptêmes. Enfin, c'est souvent lié à des événements familiaux. Il n'y a jamais eu de perte de contact définitive et on ne sait plus ce que devient la famille, en fait. Tu penses qu'il se passerait quoi si tu n'avais pas appelé pendant cette période-là ? Ça aurait été difficile psychologiquement. Il serait revenu quand même ? Oui, il serait revenu parce qu'ils attendaient en fait la réouverture de l'association. Mmh. Donc, il serait revenu, mais voilà, d'avoir un lien quotidien pour dire que, enfin, pour juste les écouter parler ou les aiguiller, ça leur a fait du bien pendant le confinement. Ça a été essentiel même. Passe à la slide suivante. Oui, parce que, pardon, je vois aussi l'atelier cuisine. Alors ça, bien sûr, hors confinement, nous, on s'est rendu compte, enfin, depuis des années, que les dîners partagés ou les repas partagés, à tout âge, en fait, donc avec les familles ou qu'avec les jeunes, c'est un moment de partage qui est très important. Et il y a beaucoup de langues qui se délient en fait à ce moment-là. Donc, le lien aussi se construit par là, dans des moments partagés autour d'un repas. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est, on en fait régulièrement. Voilà. Et le groupe Snapchat ? Alors, moi, je suis nulle en Snapchat. Alors, Oussem pourra en parler mieux que moi, parce que moi non plus, je ne suis pas très douée dans tout ce qui est réseau, Snapchat, etc. Après, je sais qu'Oussem, il est sur Snap avec les jeunes que nous accueillons en fait à l'accueil jeune. Mais alors, en termes de création, de comment ça se passe, je passe mon tour. Hein. Vraiment, ça c'est moi, cet outil-là, je ne l'utilise pas du tout, je n'ai même pas l'application. Voilà. Bon. Oussem, si tu veux nous en parler, voilà, c'est comme tu veux. Je ne sais pas si tu es disponible. Ah, non. Je ne crois pas. Vous m'entendez ? Voilà. Ah, voilà, on t'entend. Ouais. Alors, pour Snapchat, bah, j'utilise Snapchat parce qu'en ce moment, ils utilisent ça en fait la plupart du temps. Et je sais que la plupart du temps, ils sont connectés. Donc, j'ai préféré faire un groupe avec eux sur Snapchat. Après, je sais qu'il y a plusieurs réseaux sociaux, donc comme Instagram ou Facebook. Mais Snapchat, en fait, ils utilisent la plupart du temps, c'est Snapchat. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, ouais, j'ai préféré faire un groupe avec eux parce qu'ils sont plus connectés sur ça. Et c'est plus facile en vrai. Et voilà. Et sur le groupe où tu es, ils posent. Enfin, est-ce que tu vois que parfois il y a des débordements ou est-ce que justement le fait que tu sois avec eux sur le groupe, ça aide un peu à cadrer, à garder un contact C'est ça. En fait, il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de débordement parce que la plupart du temps,
J'ai préféré faire un groupe avec eux parce que, bon, je ne mets pas n'importe qui dans le groupe, mais la plupart du temps, c'est le groupe du quartier. Mais il n'y a jamais de débordement. C'est juste pour, on va dire, préparer un projet ou une sortie ou leur laisser en fait le choix s'ils sont intéressés ou s'ils ont des, comment dire, s'ils ont des idées. Ouais, c'est utiliser le moyen de communication qu'ils ont, qu'ils utilisent le plus fréquemment pour être à leur niveau, pour établir un lien, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui. Okay. Mais super. Merci. Marion, tu veux que je passe à la slide suivante? Oui. Oui. S'il n'y a pas de questions. Ouais. Oui, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas. On a peut-être déjà vu des points. Tu me dis si tu veux passer à celle-là. Oui, voilà. Enfin, moi, je voudrais juste insister sur le lien de confiance, la création du lien de confiance, parce que c'est vrai que là, pendant le confinement, moi, j'ai pu garder le lien avec les familles, mais parce que physiquement, déjà, je les avais rencontrées. Donc, toutes les familles que j'ai pu vraiment voir physiquement sur l'association avant le mois de mars, le lien, il s'est fait naturellement par téléphone, en fait, pendant le confinement. Enfin, voilà. Par contre, les nouvelles familles, qui ont adhéré à l'association un petit mois en fait avant le confinement, elles ont été très compliquées à joindre pendant le confinement. Donc ouais, la création du lien de confiance, elle se fait vraiment en amont. Et voilà, je voulais juste relever sur ce point-là parce que voilà, moi, notamment il y a une famille. Les petites étaient inscrites sur l'accompagnement scolaire, mais nouvellement inscrites en février. Je les ai eues une fois à l'accompagnement scolaire, après il y a eu le confinement. Et la maman, je ne l'ai toujours pas eue au téléphone et je ne l'ai toujours pas vue physiquement, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc voilà, c'est compliqué de garder lien quand effectivement on ne se connaît pas. Parce que la confiance n'est pas la même et la confiance que nous accordent les familles n'est pas la même. Voilà. Moi, je rejoins un petit peu ce que tu dis, Marion, puisque Moussa il m'avait fait des retours par rapport au recrutement en section, je crois, et en chase, où il avait les pires difficultés donc à convaincre les parents à venir soit en chase, soit en section lors de la période de confinement. Et justement pour les raisons que tu évoquais, à savoir que quand il n'y a pas eu ce lien physique construit un petit peu en amont, ben après au téléphone, voilà. Alors je sais pas, Moussa, si t'es là. Oui, je suis là. Non. Ouais. Si tu peux nous en parler. Oui. Mais comme l'a dit Laurent, c'est beaucoup plus facile lors des périodes de recrutement, par exemple. Hein. Je vais prendre cet exemple-là. D'être en lien direct et de voir la personne physiquement pour créer un lien. Déjà, je pense que ça met plus en confiance. Et du coup, et le fait de voir les personnes, on peut aussi développer un lien de confiance par rapport au projet qu'on leur propose. Et donc, voilà. Oui. Je suppose que c'est dans les deux sens. Que ça crée un lien de confiance. Pour vous aussi, vous êtes plus en confiance quand vous avez déjà vu la personne. Oui, mais nous, le fait de les mettre en confiance physiquement, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour nous que pour les familles, parce que lorsqu'on recrute et il y a le changement, c'est-à-dire que on recrute des jeunes filles pour les intégrer dans un quartier qu'elles n'ont pas l'habitude d'être, par exemple. Et du coup, les parents ont souvent peur de l'autonomie, c'est-à-dire de laisser les enfants prendre les transports seuls. C'est un exemple. Et donc, voilà. Moi, par rapport à ça, Moussa, je voulais savoir comment tu... quelle solution, justement, pour répondre un petit peu à la slide.
Est-ce que tu as eu des astuces en particulier pour permettre de, justement de convaincre ses parents sans les avoir vus, etc. J'ai mal entendu, Laurent. Pour répondre, pour être dans la, comment dirais-je, dans la thématique de la slide, je demandais si tu avais des astuces qui avaient permis justement de créer ce lien de confiance et d'arriver à convaincre ses familles, en dépit du fait que tu ne les aies pas vus. Mais ça a été plutôt le lien de confiance par téléphone, parce qu'on avait déjà créé quelques liens en amont pour certains, et pour d'autres, le fait de s'être vu rien qu'une fois, ça a peut-être pu faire la différence, j'en sais pas trop. Mais le lien téléphonique et après les entretiens post-Covid, c'est-à-dire le fait d'avoir vu les parents juste après le Covid, ça les a peut-être remis en confiance. Mais après, c'est un lien qu'on a pu créer pour certains juste avant le Covid et qu'il a fallu faire perdurer pendant la période de confinement avec des appels réguliers. Et donc, voilà. D'accord. Donc on est d'accord que c'est… moi, je parlais des astuces. En particulier, est-ce que tu avais des thématiques que tu abordais plus précisément de manière à être capable de créer ce lien ? Et toi, tu me dis qu'en fait, c'est juste la récurrence des appels qui a fait la différence. C'est bien ça, hein ? Oui, mais la plupart du temps, oui. Et après, il a fallu aussi discuter de ce qu'on allait mettre en place. Du coup, forcément, les mettre à l'aise par rapport au projet qu'on leur proposait. Et donc voilà. Mais la plupart du temps, la plus grosse problématique, c'était la mise en confiance. Et donc voilà. Mais je n'ai pas utilisé d'astuces en particulier pour ça. OK. Marion, peut-être que toi, tu as des astuces justement pour créer ce contact. Est-ce que le rire, est-ce que il y a des sujets en particulier que tu abordes avec eux? Est-ce que la météo, la pluie, le beau temps, est-ce que ça te permet toi, de créer un contact de confiance? De ne pas juste parler de… Créer le contact, alors… pour moi, ouais, créer le contact, d'abord, c'est aimer les gens, je crois, foncièrement. Les questionner. Alors, ça peut être sur… c'est très global au départ, effectivement, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, les questionner sur leur environnement, sur effectivement un peu la pluie et le beau temps. Et après, c'est les reconnaître. Ne pas voir que les difficultés qui peuvent dégager, c'est-à-dire que c'est avant tout des personnes. Et voilà, on est là aussi pour les aider et les aiguiller. Par exemple, tu peux dire… Excuse-moi, par exemple… Ah, bah oui, je me souviens que vous faites tel métier. Comment ça se passe en ce moment? Ça va voilà. Bien? Ou, oh, bah mince alors. Enfin, faire ce lien-là, c'est ça? Comme une discussion. Exactement. Comme une discussion. Exactement. Ce contact-là de voisinage à faire au départ et après, on met son cadre. Mais, met le cadre, mais après, plus ça va. Et en fait, j'ai envie de dire, enfin, ça vient tout seul. C'est-à-dire qu'après, les gens ont confiance, les mamans ont confiance. Donc, forcément, elle se livre un peu plus, c'est un peu plus personnel, un peu plus intime. Et voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à créer le lien de confiance. Mmh. OK. Mais voilà. Bon, je ne sais pas si vous avez encore des questions. On a un peu dépassé. Marion, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, toi ? Écoute, non. Moi, j'avais une petite question. Quand on dit entretenir un lien régulier, qu'est-ce que vous entendez par régulier ? Je parle bien de période hors confinement, la période d'un an. Est-ce que c'est une fois par semaine ? Est-ce que c'est une fois toutes les deux semaines ? Ça peut peut-être dépendre des gens. Ça dépend aussi des structures. Parce que Paris Basket, c'est pas pareil que ça. Ouais. Agnès, pour répondre à ta question, on va dire nous, Culture sur cours, c'est quasiment du lien quotidien.
D'accord. Voir tous les deux jours. D'accord. Ouais, voilà. Non, mais c'est... Si on n'a pas la chance de, j'allais dire au minimum, voilà, minima, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Parce qu'en sachant qu'on, nous, on n'est pas constamment en contact avec les familles, on est plus en contact avec les jeunes. Mais si j'ai bien compris, c'est important aussi de garder les contacts avec les parents. Est-ce qu'on peut envisager de faire un repas partagé avec les familles une fois par mois, par trimestre, par an, par... Une fois par trimestre, c'est bien. Ok. Vous nous inviterez au repas de Culture sur cours, comme ça. Mais bien sûr, je t'ai toujours invitée, Agnès. Non, une fois par trimestre, je pense que c'est bien. Parce qu'il ne faut pas non plus, enfin, chacun ses obligations. Donc après, si c'est tous les mois ou toutes les semaines, ça va devenir, enfin, déjà en termes de logistique, c'est un peu compliqué. Personnellement, nous, au niveau de Culture, on a fait des repas partagés, mais sans limite. Et on a eu entre 70 et 100 personnes un soir. Donc, c'est compliqué à gérer. Voilà. Donc, après, vraiment, pour... Bon, mais ça, c'était sympathique parce que ça faisait plus une fête des voisins. Hein. Voilà. Après, pour vraiment partager des choses un peu plus personnelles et intimes, faut sélectionner, en fait. Et je pense que quand tu as 5 ou 6 familles, c'est bien. Parce que là, tu as le temps de vraiment parler avec chaque famille. Et tu prends le temps, en fait. Mmh. Mais une fois par trimestre, moi, je trouve que c'est bien. C'est un minimum. Voilà. Ah, ça donne des idées. Bon, ben, on va s'arrêter là, parce qu'il est tard. J'ai une question. Pardon. Marion, est-ce que vous organisez aussi des activités par enfant, par exemple Par enfant, oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, on a beaucoup de choses en fait en soutien à la parentalité. Donc, il y a beaucoup de choses partagées parents-enfants. Ok. Ouais. Et ça doit bien faire venir les parents, justement, les mettre à l'aise et après avoir. On implique beaucoup les parents. Ouais, on implique beaucoup les parents parce que c'est important. Même l'enfant, quand il a le regard de son papa ou de sa maman, ça change aussi énormément de choses. Hein. Ouais. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, à la limite, c'est même pas une histoire de est-ce que le papa ou la maman va savoir faire les devoirs scolaires ou quoi. C'est juste avoir un regard sur son enfant posé, être là. S'il a besoin, ça change beaucoup de choses dans le comportement de l'enfant, en fait. Ouais. Voilà. Donc oui, on a beaucoup d'ateliers, mais alors ça peut être des ateliers culturels, artistiques, sportifs, parents-enfants, mais ça peut aussi être des soirées littéraires, des sorties, enfin des expositions. Enfin, je veux dire, sur cet été, on a fait énormément de sorties familiales. Voilà, ça a été très bénéfique en fait pour les familles de se retrouver à l'extérieur entre eux. Vous faites des activités sportives parents-enfants ? Oui, c'est en cours. Oui. C'est en projet. Oui, oui. Je pensais au... Parce que moi, je donne des cours de yoga. Je pensais yoga en famille. Ça marche très, très bien. Hein. Eh bien, c'est un projet. Pour les parents. Écoute, à l'occasion. Ouais. Avec plaisir. Oh, voilà. C'est vrai que ça marche bien parce que on est un peu dans ses émotions et puis les enfants aiment bien aussi faire avec leurs parents un peu, des fois dire oh, je fais moins bien que papa, je fais mieux, enfin, ça crée vraiment du lien, en tout cas moi, de mon expérience ça crée du lien. Et puis parfois aussi pour certaines familles il n'y a pas de possibilité de garde. Exactement. Aussi ouais. Donc proposer des ateliers ouverts, ça, voilà, ça change tout en fait. Donc moins de contraintes. Exactement. Ok. Ok. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que la formule réunion était un peu plus... ça a l'air d'être un peu plus interactif pour vous, donc mieux. Pour moi aussi. Pour Marion aussi, je suppose. Plus sympa. Voilà. Donc, j'espère qu'on se retrouvera aux ateliers pratiques. N'hésitez pas à venir, même une fois de temps en temps. Ce sera toujours bien de pouvoir échanger de façon un peu plus concrète aussi qu'à travers un écran et des slides sur l'adolescence. Voilà. Donc, c'était un plaisir. Et puis, je vous dis, j'espère à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.